Et puis un doublé de Benjamin Pavard. Benjamin Pavard. Puis son premier doublé en pro. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le débrief des matchs Bayern Munich-Augsbourg en Bundesliga. Le Bayern Munich s'impose largement contre Augsbourg 5-3. Un match très 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 facile, même si c'est vrai, Augsbourg a marqué dès le premier minute du match. Ça n'a pas empêché le Bayern Munich de répliquer et ça a même poussé, je pense, le Bayern Munich de jouer son jeu, son vrai jeu après ce but encaissé. Et c'est ce qui a amené le Bayern Munich de marquer son premier but grâce notamment à un exploit de João Cancelo. João Cancelo qui marque son premier but sous la couleur du Bayern Munich. Vraiment bravo, bravo João Cancelo. Et en plus, je pense que João Cancelo est le plus efficace offensivement que défensivement. Et puis un doublé de Benjamin Pavard. Benjamin Pavard. Puis son premier doublé en pro. Benjamin Pavard, vraiment, on a retrouvé notre Benjamin Pavard. Un Benjamin Pavard qui se projette offensivement. Un Benjamin Pavard qui prend des risques. Un Benjamin Pavard qui est offensivement et défensivement efficace. Ça, c'est notre Benjamin Pavard. Et je ne pense pas que le Bayern Munich va laisser partir cet été. En tout cas, moi, je souhaite que Benjamin Pavard reste au Bayern Munich. Parce qu'il nous apporte vraiment beaucoup de choses défensivement. Mais bon, les gars, on est bien d'accord que le Bayern Munich était vraiment efficace dans cette première période. On a eu un Bayern Munich autoritaire, un Bayern Munich qui maîtrise son adversaire. Donc vraiment rien à dire dans cette première période. Le Bayern Munich a vraiment maîtrisé son sujet. Et puis ben, la deuxième période, le but d'Alphonso Davies qui marque son premier but de la saison. Alphonso Davies, que je trouve que c'est un joueur vraiment simple. Il joue simple, il dribble simple. J'apprécie vraiment ce joueur. Non, il faut qu'on revienne le match de Loris Sané. Loris Sané qui marque le 4e but du Bayern Munich. Et je pense que cette but qu'il a marqué va lui redonner encore plus de confiance parce que Loris Sané, il a perdu la confiance depuis maintenant quelques temps, depuis quelques matchs. Et il ne faut pas oublier que oui, il a fait Loris Sané un bon match, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait aussi des déchets avec des pertes de balles facilement, un manque de précision dans les derniers gestes, mais aussi physiquement, je ne pense pas qu'il est encore au top. Comme d'ailleurs Sadio Mané lui aussi n'est pas au top physiquement. Je pense que Sadio Mané, il va revenir encore plus fort. Parce qu'en fait, j'observe Loris Sané depuis maintenant quelques matchs, je pense qu'il n'est pas vraiment au top de sa forme depuis maintenant quelques matchs. En tout cas, j'espère qu'il va retrouver son niveau physique. Mais non, le match dans sa globalité, on a eu un match vraiment correct. On a eu un Bayern Munich autoritaire, on a eu un Bayern Munich efficace et offensivement, même si défensivement il y a eu quelques petites erreurs de la part de nos défenseurs. Et puis ben il faut pas oublier que c'était le retour de Mazraoui qui fait son grand retour. Mais bon, il fallait pas s'attendre à un grand match de Mazraoui. Il a fait un match moyen. Vraiment très fier le retour de Mazraoui dans l'effectif. Et puis, il faut pas que j'oublie le jeu tactique de Julian Nagelsmann qui fait la rotation de l'effectif. Julian Nagelsmann qui fait rentrer Thomas Müller, qui fait rentrer Mathys Tel, qui fait rentrer Blind, qui fait rentrer Gravenberch. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'entrée de Mazraoui est vraiment, vraiment bravo, bravo à tout le monde. Et puis, Yann Sommer, même si il n'a pas arrêté le penalty, mais quand même, il a fait un bon match avec de beaux arrêts. Et vraiment, bravo à Yann Sommer. Et puis, voilà les gars, on a fait un bon match. En tout cas, j'espère qu'on va continuer dans cette dynamique et qu'on n'aura pas de défaites lors des prochains matchs. On est leader du championnat et continuons dans cette dynamique. Et voilà les gars. Bravo à tout le monde et je vous dis à la prochaine vidéo et au prochain match. Ciao.